à 40 km de la ville de Khénifra et à 26 km de la ville de Mrirt. Omar Bir, anciennement Morbéa, est le deuxième fleuve marocain long de 550 km. Le nom berbère original du fleuve est Wansifen, en arabe Omar Bir, au plus couramment prononcé Omar Bir, signifie mer du printemps. Selon la tradition orale, l'Omar Bir a juré de sacrifier par noyade 40 personnes par an, depuis la source jusqu'à l'embouchure. Avec un débit de 117 mètres cubes par seconde, il prend sa source à une altitude de 1800 mètres dans le Moyen Atlas. Cette importante rivière prend sa source des hauteurs du Jbel Hayyan dans la commune rurale d'Omar Bir et se jette dans l'océan Atlantique au niveau de la commune d'Azmour. Par son débit non négligeable de 117 mètres cubes par seconde, de nombreux barrages, 8 y sont construits. Les plus connus sont Bin Widan, construit sur Wad Labid, du côté d'Azilal, près de la ville de Beni Millal et à 120 km de Khénifra. Et le barrage Mahachou, à l'embouchure de l'Omar Bir. Ce fleuve contribue au développement agricole de la plaine de Tadla et celle de Abdadoukala. Les affluents d'Omar Bir sont Wad Sro. Les principaux affluents au niveau de Khénifra sont Wad Shbouka et Wad Waoumana. Et Wad Labid au niveau d'Azilal. Sur le plan hydrologique, la province de Khénifra constitue un grand réservoir d'eau par son système hydrologique complexe. Ces rivières prennent naissance dans la région de Khénifra grâce aux 40 sources qui alimente le fleuve pour former trois grands bassins hydrauliques. Le bassin de Omar Bir, le bassin de Melouia, le bassin de Bourgrag. La construction d'une série de barrages sur le Omar Bir et ses affluents constituera un défi pour le gouvernement marocain, qui veut atteindre son objectif d'irrigation évalué à 1 million d'hectares sur la totalité du royaume. L'autosuffisance en matière de production de blé n'est pas encore atteinte. La ville de Khénifra est alimentée en eau potable par une station de traitement des eaux du fleuve d'un goût prononcé.